Chers internautes, amis tu as fils, bonsoir. Bon, vu qu'ici en ban les autres émissions qui ont projeté finalement un petit chamboulage au niveau de ben, l'émission aujourd'hui, mais l'émission Tchou de Kou, Stuff Plus 2 in 1, bien sûr, chers internautes, sur le plateau, Chahia Alassane, Patrice Esmiot est comme invité aujourd'hui un jeune qui peut étudier la médecine, qui est un aspirant vétérinaire. C'est Kevin Olkouri qui nous accueille sur le plateau. Kevin, bienvenue. Bonsoir Santo, bonsoir Sahil, bonsoir Patrice. Et merci pour l'invitation. Tout le plaisir pour nous, Kevin. Et Patrice Sahil, la semaine dernière, lors de la 13e acte du film, trouve un beau vainqueur dans le Barbé 2022. Frosted Gold, le favori de la course, et donc a remporté une victoire écrasante dans l'excellent temps d'une 35-52 pour les 1600 mètres sous la selle de Rai Durawan. Rai Durawan qui rentre ainsi dans l'histoire étant le seul jockey mauricien qui remporte tout classique. Rai Durawan, Barbé t'y fait défaut. Barbé was missing, mais ces choses faites la semaine dernière avec Frosted Gold à l'issue d'une superbe monte. Il offert aussi à Ricky Mingor le sixième classique. C'est donc le père Ricky Mingor, Rai Durawan, c'est le sixième classique. Et Rai Durawan, au cours de sa carrière, il remporte ce douzième classique au Champ de Mars. On rappelle les autres, ce premier classique, il remporte ça avec London Dell en 2007. Et la semaine dernière, le sang-froid de Rai Durawan sur Frosted Gold mérite d'être salué. Il tient un cheval très fit sous lui, il tient un classy saut sous lui, mais quand on peut tourner en ligne droite ou toujours avant-dernier, ou il y a un rideau de chevaux devant vous, ou vous avez une maîtrise, ou vous avez un jockeyship, ou vous avez un sang-froid, et Rai a été exact au rendez-vous. Shahid. Oui, justement, c'est un deux, je crois, au Paysali, un Frosted Gold, vraiment impressionnant. Je suis à l'entrée de la ligne droite, côté Aliasat, Twist of Fate, c'est une prend l'extérieur, Patrice, et quand même, le mois de dernier, je fais comme ça, les quatre premiers dans la course, qui dernier dans la descente, à 800 mètres de l'arrivée. Et comme on peut dire, Banane prend un grand boulevard à l'extérieur, Rai attend tranquillement à l'intérieur, ce cheval full of running. Il gagne joli les courses, nous finissons l'occasion de causer avec lui après la course. Patrice finit l'interview. Il est Patrice qui dit où vous gagnez Frosted Gold, que ça vous en allez ? Non, vous en allez. À côté de l'île, il y a sa moteur qui est là. Surtout, dernier 200 mètres, avant de rentrer dans une droite finale, il tient encore en main, alors que ce ban adversaire est déjà sous pression. Et comme on nous dit, il presse le button, il va l'accélérer. Et l'accélération foudroyante, et pour lui, c'est un de mes meilleurs chevaux qui est monté. Et maintenant, nous continuons, Frosted Gold, nous connaissons ce rating à 90, ouais. Et les maillots seraient trop à Maurice, et donc 92-90, c'est un autre débat, mais ben, qui déjà les signes, mais c'est, et qui sera l'avenir à ce cheval-là, dans Maurice? Est-ce qu'il pouvait galoper 70 kg ou s'entraîner un indien? Non. Il n'est pas pour faire galoper encore une fois 70 kg parce que c'est un type. Il y a un petit cheval. Il n'est pas un grand cheval qui a supporté beaucoup de poids. Donc là, reste Princesse Margaret fin octobre. Et la Coupe d'eau. Et la Coupe d'eau fin novembre qui va venir courir sa poids d'âge après ça l'année prochaine. Mais quand il y a un cheval comme ça dans l'écurie, il pourrait rester dans l'écurie pendant des mois, il ne va pas galoper, puis la compétition pour lui. L'année prochaine, si jamais il y a ça dans les courses là, qui peut arriver lui? Qui les courses pour galoper, qu'il faut avoir 3 les courses, 4 les courses, un peu comme Alchiba. Ouais. Mais ce qui se pour Gondi, Maurice, ça ne nous pas connaît. Beaucoup a été dit, et encore dire, concernant le rating de Frosted Gold qui perd 2 points, Royal Wolf qui prend encore 23 points. Le handicapé a une semaine explication, donc nous avons une vidéo, etc. Et donc, beaucoup de monde, et non, essayez de comprendre ce qu'il peut expliquer. Beaucoup disent pas d'accord avec ce qu'il veut expliquer, mais c'est à lui de voir, c'est à lui d'assumer. Mais le plus important a été fait pour Rai Durawan. Ricky Mingor était un homme très satisfait, les propriétés étaient aux anges. Et donc, ainsi bien que le parfumier, Rishi Ramjawan,
Donc, Frosted Goal a été exact au rendez-vous avec l'histoire. L'histoire pour Rai Duraman, surtout, qui complète le Grand Chelem avec ce coursier. Nous finissons aussi la 100e victoire de Sunil Bassent la semaine dernière. Sunil Bassent qui commence sa carrière en 98. Il gagne sa première victoire en 99 pour le compte de l'Egru Pedro avec Liska. Et il remporte sa 100e avec Chosen Way à l'issue d'un très bon finish. Kevin Olcoury, étudiant en médecine, aspirant vétérinaire ou peut étudier en Russie ou en vacances ou un passionné des courses ou une page sur Facebook qui appelle Racing World ou un admin ou un grand passionné des courses même, l'animal intègre énormément ou encore jeune, où tu fais une petite conversation avec vous, disant ou aspire à être vétérinaire ou peut foncer ou peut étudier ou peut travailler dur, moi les sous et présente tout même au public. Allô, bonsoir, moi Kevin Olcoury, aspirant vétérinaire, commençant de finir, et aussi administrateur page Facebook Racing World. Alors, tout d'abord, moi passionné les courses et aussi mon amour pour les animaux, vas-y, cheval, mais les animaux en général. Et c'est pour ça que je choisis fil vétérinaire. Et passion pour les courses, j'ai commencé depuis tout petit, comme je pensais tout du monde, depuis papa, frère, la famille. Alors, depuis tout petit, je suis sorti de Moss, je suis allé galoper. Je peux dire que c'est vraiment un magnifique athlète. Alors, merci pour l'invitation à Santosh, Naushad, Shahil et Patrice. Patrice, nous finissons aussi. Et Cartel Boss et Million Dollar Man qui ont été exact au rendez-vous. Des super athlètes, de super cheval. Million Dollar Man, mode classe, il va continuer, crase opposition. Alors que Cartel Boss, pour une fois, il y a un challenge dans la course à l'avant avec un petit peu Kendall Cove. Dans les 200 premiers mètres, nous connaissons le résultat en ligne droite. Cartel Boss, un petit balade de santé. Même une pour deuxième semaine de suite, on guette les temps qu'il a réalisé. Mais c'est Ban Couché qui, quand même, il fait la foule vibrer la semaine dernière. Hormis Frosted Goal, hormis les deux victoires de l'écurie Gazeta avec Sharkbog, Chosen Way. Mais quand je souhaite que Cartel Boss et Million Dollar Man aussi, le public a apprécié, le grand public présent la semaine dernière aussi, mérite d'être salué, Patrice. Oui, le grand public, je ne suis pas déplacé pour nous rien. Tu as aussi une très belle cinquième course, que chaque bonne aussi gagne sur les courses là. Mais nous revenons un peu au Cartel Boss pour commencer. Et pour moi, ce que là, sur l'expression, je dirais ce que là, nous jouons balna au départ. Hein, parce que Cartel Boss, nous sortons plus vite qu'ils ont tout, nous posons sur la main. Comment maintenant, Pedro dépasse lui, Titi Ili, il est ouvert sur Renan Tigit, ce cheval-là commence pick-up. Comment il trouve, il n'a pas de passer, il repose la main. Mais seulement, ça qui est intéressant, quand il est beau, c'est qu'arrivé au dernier tournant, sur Primo Rita et sur mon adversaire, derrière lui, nous disons, il ne peut pas prendre l'avance, il n'est pas pour capable. Mais non, quand il est beau, ça prouve nous qu'il a encore une deuxième accélération, un bon finisher aussi. Et il laisse son adversaire sur place dans une droite finale. C'est un coursier, un formidable coursier. Pour la piste du champ de mort surtout. Il a un bon gate speed. Il a un bon pas. En plus de ça, il a une bonne accélération au dernier 200 mètres. Donc, quand il bosse, moi, je peux attendre lui. Et sur un parcours capable un peu plus allongé, 365, 400 mètres. Mais Lightning Cup avant. Lightning Cup, peut-être. Ouais. Peut-être. Et avec un coursier comme ça, sur entraîner, sur la bonne propriété, sur l'entourage. Bien, choisir ce ban les courses bien. Maintenant, nous venons au Million Dollar Man. Tu peux cause ça, c'est un ex Shahil, après ce Victor, Million Dollar Man. Quand nous guettons ce fils, l'Afrique du Sud, tu gagnes une seule fois. Nous venons Maurice, après 3-4 les courses, il commence à performer, saute ses goûts, il commence à gagner. Pourquoi il gagne 3-4 les courses, 5 les courses, sur 6 derniers sorties. Donc, ça en est là, nous découvrons qu'il y a un potentiel pour y aller plus long. Et là, l'autre, ça part au coup là. Million Dollar Man, une galope comme un cheval, comment dire, qui est capable d'avoir jusqu'à 2000 mètres, 2200 mètres, même Sam Raj m'a dit après. Après l'interview. Après l'interview, l'India que possiblement, il parle de lui, pour tout Golden Trophy, bien Winter Stakes, semaine prochaine. Donc, un cheval comme ça, nous pas qu'on se limite. On discute avec un camarade, ben, on a dit, mais non, il peut venir avec un hackbot, ça là, il peut un gaz. On a dit, ou pas qu'on est sur un gâté cheval là. Pas connu, intercontinental quand il vient une game d'un. Un peu from my heart. Il y en a. Monté, hein. Il y en a beaucoup de cheval ben, ouais. qui ben, bonne un surprise. Star, comment nous veut dire. Ben, bonne surprise c'est à la fin, oui. Patrice, comment ne pas mentionner aussi, même battu, parfois il y a un coup, c'est un battu, mais c'est moi, ou apprécier ses autres efforts. Je m'appelle Lee, une performance 5 étoiles de la part de Emblem of Hope. Oui. Avec ça, la ligne là, avec les circonstances, avec les false rails, à 0,75 mètres des bases intérieures.
avec une course difficile, né au vent, que tu dis, oh, dans un moment, je suis pensé qu'il pouvait écraser un peu en ligne droite, mais bien sûr, après, contre les fight back, il a fait à chaque bord, il pousse à ses derniers retranchements. C'était un très bon emblème of hope qui montrait qu'il, quand il peut gagner une circonstance favorable, il be a very hard nut to crack. Vous avez quelques infos, Shahid? Oui, et du côté ben, suspension, on a quelqu'un, Anthony Andrews, il prend 2 semaines de suspension sur la Montlo Nimitz dans la dernière course de la semaine dernière. Il finit Jeanne Guiguin aux abords du poteau des cartes aux 100 mètres. Il finit plaide coupable pour cela, mais Guiguin finit fin de l'appel et il prend celle dans la journée de demain. Robbie Bicari finit écope d'une semaine de suspension pour service au cravache trop beaucoup de fois sur le cheval Talisman. C'est pas la première fois qu'il finit charge sous ce règle-là, alors c'est la raison pour laquelle il prend une semaine de suspension. Il y en a 4 les autres jockeys également qui n'est suspendu sous cette charge, mais The Poupée gagne la manne de 2000 roupies. C'est Nabil Sheikh Bachamia sur Midnight Messenger, José de Souza sur Swag Jagger, André Luis da Silva sur Emblem of Hope et Chase Mojan, Lo Aliasat. En Australie, nos compatriotes Lakhdar Ramoli finit couronné Leading Apprentice pour la 2e fois. C'est un garçon qui fait très très bien en Australie, espérons pour lui qu'il soit pour continuer. Le jockey sud-africain Denis Schwartz qui a annoncé du côté de l'écurie Vincent Allette qu'il n'a pas encore gagné sur PMI de travail, c'est la raison pour laquelle il est en selle cette semaine et qu'il est pour débarquer à Maurice incessamment. Et pour terminer, du côté de la HRD, le patron Wayne Wood fait une regain à l'Australie pour une raison médicale. Entre temps, c'est l'Indien Mahinder Subramaniam qui est pour prendre la tête du côté de la HRD. Beaucoup d'appréhension par rapport à l'état de la piste. Le gazon, surtout, sans oublier aussi la piste de sable. D'ailleurs, l'entraîneur Ricky Mergaud, nous trouve dans une interview, dit, oh, comme ça, il a un travail qu'il n'est pas qu'à faire avec ce manque aussi parce que l'état de la piste est détérioré, ainsi de suite. Nous finissons trouver, il a un effort. D'ailleurs, nous finissons trouver du sable, il commence à mettre par people stuff. Et il amène du sable, il commence, comment dire, et refaire la piste un peu, ce qui est bon signe. Et dans ma collaboration, on peut trouver un petit peu, moi, l'équipe de Jean-Marc, Champenit, Pépé, collabore un petit peu avec eux. Nous pas connaît, c'est de bon augure pour l'avenir. Le plus important, c'est que la piste reste quand même un aspect non négligeable, un aspect très très important pour le bon déroulement, pas seulement des courses, mais aussi de l'entraînement. Mais là, moi, je la piste du gazon aussi, le père envisage 40 journées de course, bien occupe ça la piste gazon là, bien convenablement, parce qu'il n'est pas évident, 40 journées c'est beaucoup, mais c'est l'hippodrome, donc c'est une affaire à prendre au très très sérieux. J'espère que vous êtes à l'écoute et que le nécessaire va être fait chaque semaine, régulièrement, parce qu'il nous connaît avec les intempéries, parfois gagner la pluie plus qu'il vient, parfois pas gagner la pluie, les gazons abîmés, et c'est pas évident, mais non, même nous avons une force risque qui protège la piste, et non, une solution, et non, et une équipe qui est spécialisée dedans, donc bien servir eux, bien trouver une formule adéquate, surtout les deux organisateurs de courses. Rapidement, Kelvin, ou admin de Racing World, oui. Et ben, tu affiches certainement cette envie de connaître Racing World, qui est intéressant pour sa page-là. Apparemment, c'est une page bien populaire. Oui, alors, pour l'instant, on a 8000 abonnés, et par Charlie, plus côté les courses, globalement, basis local, Maurice, la France, l'Angleterre, et parfois qu'on a un groupe de les États-Unis d'Amérique, Australie, il y a un news. Et après, ici, dans la semaine, je fais un pronostic de côté la France, trop attelé, trop monté, obstacle, et aussi les courses plates. Alors, il y a un news aussi qui m'a dit cher que mon nouveau jockey vini. Enfin, moi-même, je suis allé en premier. Et aussi, nous trouvez là au page un sac vendredi ou bien samedi matin, je donne un pronostic pour les courses Champ des Mos. Et je bien content d'un outsider. Il y a pas mal d'outsiders qui ont pronostiqué depuis qu'il a son page, depuis 2 ans. L'année dernière, en tête, il y a Arabian Air 2200. Cette année-là, il y a Duvan Mystique 1500. Et aussi, moi, je donne Imperial Rage mercredi sur la côte de Vertu. Il y a 1500 roupies. Et pas mal. Oui. Kevin, où est un but là où la vie, un jeune de 23 ans, on vit une vétérinaire, on peut étudier côté vétérinaire, et un jour, si vous avez l'opportunité pour agir comme vétérinaire dans le pays, certainement, vous pouvez un homme très heureux. Évidemment, alors, moi, je suis un boursier pour être assis en juin 2017. Oui. Et par rapport à Salaboussa, j'ai besoin de Maurice pour travailler. Et aussi, je suis content de mon pays. Et nous trouver l'industrie hippique, pas hippique, côté des animaux, il y a une crise,
même côté nous, je sais pas, quand nous guettons nouveau chaque année, il va augmenter, même il y a Covid, en difficulté, nous trouvons combien de nouveaux peuvent venir. Alors aussi, le cadre de une morgue vétérinaire dans l'industrie et si l'opportunité est présentée. Moi aussi, quelques années après, si nous toujours en vie, si nous toujours là, et nous pouvoir accueillir vous comme vétérinaire et qu'un ici ou même hein, sur le plateau, et vous dire oui, définitivement, nous sommes ça dans l'émission sur les courses. Allez-y, Chahine. Définitivement, Sandeus Kevin, c'est un gars qui m'a connu, mais m'a pensé, à quoi on peut nous retrouver dans quelques années. Ben, cross fingers. Justement. Nous commençons avec la course principale de la 14e journée. D'abord, quelques infos. La piste est normale à 2,8 unités. Les false rails sont installés à 2,75 m. La course principale de Anjali Coupe and Cup, une sprint series. C'est une sprint series qui est organisée par la People's Turf PLC sur trois manches. La première manche sera sur 990 m, la deuxième sur 1365 et la dernière manche sera sur 1400 m. Malheureusement, la première manche n'attire seulement 4 chevaux. Le numéro 1, Call My Fate de l'écurie Marciudel avec José Da Silva. Le 2, Al Rams de l'écurie Mingard avec Sopnil Rama. Le 3, Winter Chill de l'écurie Alette avec Niven Mardi. Le 4, Emerald Ben de l'écurie Alette, la doublure avec Dinesh Shuffle, Santosh. Call My Fate, grand favori. Que vous en avez dit ? Oui, le grand favori, logique, parce qu'il fait un cheval run-up de Frosted Gold. Oui. C'est dans 56 kg, Frosted Gold, c'est dans 62 kg. Il gagne battu avec Frosted Gold, ça se roule pas une longueur 65. Mais il m'a persisté, quoi, il s'en est typé trop vite. Mais après, nous, apprendre que le jockey est blessé, les courses avant, etc. Il ne pratique pas trop, attrape cheval là, whatever. Mais par la suite, quand il est mis loin de 1500 mètres, bien settle devant, puis pour le fait là, il n'y a pas sprinter avec lui, il n'y a pas rattraper lui. De 1500 mètres, retourne dans 990 mètres, ce n'est pas nécessairement l'avantage, mais sa course est là, il a déjà gagné dans 990 mètres. Il y a un coursier qui a un gate speed vraiment naturel. C'est un galopeur qu'on a fait. Il n'a pas montré aucun signe de fatigue à l'entraînement. C'est lui le cheval à battre. Dans toutes les courses et dans le VSCR. Souvent, mon favori est un batté. Mais où est-ce qu'il y a un dans les courses ça. Pour moi, c'est Emerald Ben, puis il y en a deux. C'est Emerald Ben. Emerald Ben, mon pas trop jugé dans ce course de rentrée des Emblem of Hope, que tu termines loin du vainqueur. C'était une reprise bien modeste. Mon cardio qui n'a pas progressé beaucoup. Nous avons un galop de CDN, surtout un galop de mardi, en solitaire. Un très, très bon workout. Que tu lui démontres qu'il peut retrouver la forme, il peut retrouver son repère. Et on connaît Emerald Ben, le 990 mètres. Quand on regarde les temps qu'il a réalisé, le 990 mètres, il réalise un excellent chrono jusqu'ici. D'ailleurs, le record de la distance est détenu par Emerald Ben. Vous rappelez, il réalise 54-58 en 2020. Emerald Ben avec 54 kilos, certainement, c'est un cheval qui peut rendre 6 kilos à Call of My Fate. Et une différence de 6 kilos entre Call of My Fate et Emerald Ben, ou pas qu'à éliminer aveuglément, éliminer d'un réveil demain. Oui. Donc pour moi, l'adversaire principal pour Call of My Fate, c'est Emerald Ben. La troisième place, à Rams, qui peut mettre des blinkers pour la première fois. Patrice? Comme m'a fait, top 8, quatrième couloir, le 4 cheval, il est mis à l'extérieur. C'est vrai, il est rapide, mais est-ce qu'il est assez rapide pour passer devant Al Rams et Emerald Ben? C'est la question qu'il me pose, moi. C'est tout 60 kilos. Et là, nous revenons à Emerald Ben, c'est aussi bien dit, à 54 kilos Emerald Ben cette fois-ci. Cheval, il se traîne tout kill. Il retrouve sa forme. Et pour moi, il prend un gros, gros danger. Bien sûr, nous avons respecté qu'on m'a fait. Il y a un cheval qui a progressé beaucoup depuis les derniers soutiens et les derniers qui gagnaient. Ça arrive là, il y a des lots 3. Donc, les coussins, ça délabre pour moi. Et moi, j'ai une petite préférence pour Emerald Ben et devant Call of My Fate. Et Patrice, il y a l'entraîneur et le docteur Vicky Rouy qui a envoyé le message depuis écouter l'émission. Il dit, oh, comme ça, ou pareil qu'on allait. Lucie Moukoual, il n'a pas là ici. Vicky peut écouter, il a envoyé le message. Il dit, Kevin. Same like me. Oui, non, vous avez le docteur Vicky Rouy qui peut écouter Kevin. Alors, mon petit désir, j'ai une petite conversation avec le docteur Vicky Rouy, que nous avons appris à l'université. Et c'est bon ce qu'il peut dire, mais aussi, même parfois, comment dire, avec moi. Why not? Oui. Donc, un petit coucou à Vicky qui peut écouter nous ce soir. Et bonne chance pour la journée de demain, Vicky. Le papier, car il y a des courses, pas. Il y a un peu plus de pour dans cette semaine. La première course, nous venons après, là. Ben oui. Mais justement, Kevin, où choix dans cette course principale? Alors, personnellement, je trouve un duel entre Call of My Fate et Emerald Ben. Call of My Fate, le jeu de début. Quand Call of My Fate, il peut débuter de sa carrière à Maurice. Call of My Fate, il devance Emerald Ben, mais ça joue là. Ça joue là, je peux apporter même kilo, 59 kilos chacun. Mais demain, quand nous get au niveau rating, il y a une différence de 20 points. Mais là-dedans aussi, on trouve que Call of My Fate, il y a assez avantageux. Et non. 20 points égale 10 kilos de différence, mais là, 10-6 kilos. Et
Première place, je trouve que le MyFit. Deuxième, Emerald Bend. Et pour la troisième place, c'est le Rams. Du côté de la cote dans cette course principale, Conor MyFit est grand favori à 135 roupies, 600 roupies à le Rams, 2500 roupies Wilmington Chill, alors que Emerald Bend est coté à 300 roupies. Du côté des poids de chevaux, nous remarquons que Conor MyFit est stable à 490 kg, moins 3 kg pour Al Rams, plus 5 kg pour Winter Chill, alors que Emerald Ben également fin prend 5 kg. Nous passons maintenant à la première course de Liverpool Football Club Fan News 2022 Cup sur 990 mètres, avec ici 9 chevaux au départ, Ford Commander, le nouveau de l'écurie Raj Ramdin avec Niven Mardé en selle, de Ticket to Cairo avec Nabil Sheikh Bachamia, Tripod de l'écurie Vicky Rui avec Nishal Tiha, le 4-7 nouveau, On Hand Land de l'écurie Ricky Maga avec Raj Rowan, Giratorio sera monté par Kersey Ramsamy, Trojan Quest sera sur le 2 Akash Ocharaz, High Voltage avec Swapnil Rama, Sergeant York avec Vikram Soleil, New Abila Jument sera monté par Dinesh Shuffle Santosh. Quoi l'écurie Rui a une chance avec Tripod, un cheval qui se reprise l'autre 165 mètres. C'était une course raisonnable. Il est parti top fit. Il est fini à 5 longueurs 40 de Billionaire. Il est beaucoup plus affûté. Nous avons ce travail de mardi. Nous avons ce temps. C'est un sectional time de mardi. Il réalise un bon laps avec aisance, avec très décontracté. Sur coaching, il a amélioré. Sur conditions physiques, il a amélioré. Après un séjour à Floréal, vous pensez, moi, avec la première année, d'un rating 0,26, pas oublié. Tripod, c'est un cheval qui n'évolue en 41, en 36. Hein, en 31. Là, il peut venir dans 0,26, quand il est beaucoup plus à l'aise. Ouais. Quand il y a Nishal Tialo, au lieu de dans la première ligne à 990 mètres, c'est sûr que the main aim will be to go to the front. Et s'il réussit à le devant, Tripod car très loin. Vous respectez On Hamlin, le nouveau de l'écurie Ricky Maga, un cheval qui, vous pensez, moi, il est valable dans 0,26. C'est un one-time winner sur 1400 mètres. Et s'il domine Olo Kalani facilement pour une longueur 70 quand il s'y gagne. C'est un cheval qui fait un bon barrière trial, qui l'assimile bien sous préparation. Vous pensez qu'il a débuté sur une bonne note, qu'il a fait des courses correctes. Ticket to Cairo est en progrès. Giratorio, il surprend nous lors de sa reprise sur 990 mètres. Vincent Lett peut maintenir l'eau 990 mètres. Certainement, il y a un cheval qui peut terminer très très fort en ligne droite. High Voltage est à revoir. High Voltage qui me trouve dans une forme nettement améliorée par rapport à ce dernier sorti quotidien batté de longueur 30 avec Gun Travelling. En bas, si Dual peut mettre l'un 990 mètres, c'est bizarre dans ce bonne raison. Donc attention à ce coursier. Mais les jeux seront rivés sur Tripod, qui sera seul devant peut-être, et le nouveau de l'écurie Ricky Maga, On Hamlin, qui paraît être un bon cheval. Patrice, pour vous. Moi, je vois le point de Tripod, premier couloir, Michel Tilla en selle. Vicky Rui, peut-être son premier victoire, mais quoi, il y a celui de Cicerone qui peut donner un coup de main. Oui, comme assistant. Assistant entraîneur, donc le duo celui de Cicerone, Tia. De retour. De retour. Donc, il va se voir là très très bien contre Vicky Rui. Donc, Tripod, premier couloir, et Tia en selle qui sortit vite, tout en sa faveur. En Emlen, c'est un nouveau que je peux attendre de commencer. Quand nous sommes sur c'est un peu, oui, il bat nos calendriers, mais il galope avec Good Travel. Hein. Waterbury Lane, c'est un très très bon cousin en Afrique du Sud. Donc, et aussi, il fait un très très bon barrière trial. Je vous rappelle, il remporte ce barrière trial quand il y a 2 semaines, je crois, de cela. Donc, très très dangereux ce On Hamlin. Et en troisième position, vous mettez Ticket to Cairo, qui normalement a besoin de bien bien faire dans sa catégorie-là, avec 3 kilos en moins la remise de Nabil Sheikh Bachamia. Et en quatrième position, je vais mettre Nuabe. Nuabe qui, la dernière fois, encore, il a 8e couloir la dernière fois, mais il réussit à faire 4e, à une longueur 24 du Quest for Good. Si jamais il gagne meilleur parcours, cette jument, il vous présente. Kevin. Alors, moi, je parle pour la première place, Giratorio. Giratorio, dernière fois, il a effectué sa rentrée après quasiment 13 mois. Et il termine seulement une longueur sur un 10 de Desert Boy. Si nous prenons Desert Boy, nous mettons dans les courses, hein, vous pensez Desert Boy, tu es favori. Définitivement. Alors, quand nous guettons les courses, le Giratorio, ce dernier sorti l'année dernière, 7e mois, nous trouvons une gamme de 150 mètres. Mais le départ, ça, 990 mètres là, il saute quasiment même l'année. En level terms. Avec Tetch Overson. Et vous pensez, je crois que Roland Boutanif, tu as mieux fait le coup, la ligne droite finale, tu as même plus près. Mais n'empêche, vous trouvez qu'il l'entraînait à l'aide et assistait à l'île 990 mètres. Et semaine dernière, nous trouvons qu'il l'écurie à l'aide, mais 3 pontons. On fait 3 bien 4. Tu sors fait 3e, Talisman 2e. Et dernier coup, Canary Island, P-Fight avec une chose à nouer. Vous pensez que l'écurie là, c'est en forme, puis assister pour mettre l'île au 1000 mètres.
et bah, pour Jura Torio, première place. Et deuxième place, Tripod, première ligne, Richard Tillard qui nous connaît. Tu sais, c'est pas bien le style, l'actuel pour devant. Et troisième place, High Voltage, au finish peut-être. Du côté de la cote dans cette première course, Ford Commander, le nouveau, est coté à 3000 roupies, 1000 roupies pour Ticket to Cairo, 300 roupies Tripod, 400 roupies On Hand Land, 500 roupies Jura Torio, 1000 roupies Trojan Quest, 500 roupies High Voltage, 3000 roupies Sergeant York et 600 roupies la jument New Abbey. Alors que du côté des poids de chevaux, Ford Commander, c'est un nouveau qui pèse 452 kg sur la balance, moins 3 kg pour Ticket to Cairo, moins 2 pour Tripod. Le nouveau On Hand Land est pesé à 458 kg, 508 pour Jura Torio, plus 11 kg Trojan Quest, High Voltage est stable à 472 kg, plus 2 pour Sergeant York, alors que la jument New Abbey est également stable à 440 kg. La deuxième course de S&P Medical Team Cup, sur 1600 mètres avec 7 chevaux au départ, Overdose, Eagle's Vision, Secret Circle, Enigma Code, Into the Mystic, Xenon, Digital Fortress. Santosh, Secret Circle, il a réalisé ce hat-trick. Certainement, super point hat-trick. Bon, il gagne dans 0,15, il gagne dans 0,20 facilement. Il peut venir dans 0,25, en 0,20 et 0,25, pour moi, il y a un bel décalage. Hein. Secret Circle, comment il prend ce dernier coup? Après ce dernier coup, il fait une saut à Floréal, il retourne à pour lui, il reste deux cadeaux. Un vendredi dernier, un mardi. Il n'a aucun signe de fatigue, aucun signe. Au contraire, il est resplendissant de santé. Pourquoi c'est un cheval qui entendait bien avec le jockey Andrews. Et me pensais, moi, il est maniable. C'est un coursier qui me démontrait qu'il n'en pas, il n'en finish. Même en 1-9, pas de problème la dernière fois. Mais il prenait quelques adversaires sur sa route. Bien sûr, maintenant Xenon, la dernière fois, ce n'est pas un secret pour personne que Xenon s'y démarre trop tôt. Et s'il n'est pas s'y démarre trop, ce jockey est un petit peu plus patient, peut-être qu'il va battre. Une traveline, mais Xenon, pour la première fois, il peut venir dans 1600 mètres, avec les forceries qui sont à 2 mètres 75 des bases intérieures. Le jockey Durawan, vous vous montrer montré beaucoup plus patient cette fois-ci avec Xenon. Bon, c'est Rai, connaît qu'il est là, vous ne faites pas, vous répétez erreur que ce n'aura rien faire, mais il pour là, Xenon est une chance, il est très bien physiquement, et vous pouvez mettre un outsider comme un bon challenger dans les courses, c'est le 2 Eagles Vision. Sur la selle de Jamia Lewson la dernière fois, pas oublié, il fait des courses correctes, il finit à longueur 30. En ligne droite, ça joue là comme un reggae de film. Votre lycée penche beaucoup vers l'intérieur. Jamia pas de compagnie, comment l'utiliser. Si vous appelez redresser, Eagle Vision continue à improve. Il saute dans 0,26, il peut venir dans 0,25. Il gagne Clément le sur les deux cette fois-ci, avec moins 3 kilos. Il ne prenant que 58,5 kilos sur les deux. Donc, in with a chance as a good challenger. Secret Circle, Xenon et Eagle Vision pour compléter le tiercé, pour compléter le quartet, pour mettre Overdose, Chassou dans cette classe. Bon, mais seulement Lina a besoin d'un strong handling sur ce coursier pour les caves aspire, figure l'arrivée, mais quand même, Overdose reste valable en 0,25. Patrice, le numéro 3, Secret Circle, Anthony Andrews, fait appel contre ce sanction de 2 semaines. Probablement, c'est sur meilleure chance de la journée pour vous. Lina complète le hat-trick. Il y a ça, et puis ça, il y a Beta Dame de Reste dans la dernière course. Et oui, Secret Circle continue à impressionner moi il y a quoi, 2 semaines de cela, de mardi dernier, mardi d'avant. Il fait un galop avec, en compagnie de Billionaire. Et écoute, il domine Billionaire, alors qu'il se. Donc il applique Ban Frank, on va nous dire, on a le jargon. Billionaire, il est bien ramé, il est venu. Donc ce cheval est très très bien. Il a progressé, il a transformé sa saison-là. D'ailleurs, c'est 2 victoires délonguées, 30 délonguées, 50 D. Et donc, pas capable de pas maintenir la première place, en sachant là. Mais seulement, quand on get tout bon le reste adversaire dans les courses là. C'est tout ce dernier les courses, je fais bon les courses. Hein. Des longueurs 40 pour numéro 1, numéro 2 longueur 32, numéro 4 des longueurs 32, numéro 5 en longueur 72, Xenon 0,25, même Digital Fortress, pas de fini loin. Ce dernier les courses, Digital Fortress, premier couloir, c'est 2600 roupies, il y a 22 000, 3 000, 4 000. Mm-hmm. La dernière fois, Wabel tirat départ, vous faites une petite parenthèse, tirat départ, pas tirant dans le stade, pas tirant, devant inopportant. Et maintenant, qui tient, tu veux dire, enfin, mais ça c'est vrai, là-bas tu peux n'avoir aucune influence sur les courses. Pas capable de dire ça. Pas capable de dire ça, qui se saute, il fait une soirée, il fait 3e derrière lockdown, il y a 48, et il fait la course d'attente. Donc, c'est 4 circles le premier. Derrière lui, il met Overdose, qui fait Overdose, il peut descendre classe, dans sa catégorie-là, il peut très très valable. D'ailleurs, sa dernière victoire, le 30e journée l'année dernière, c'est dans 0,25. Et je n'ai pas pensé qu'il y a un hasard s'il s'est entraîné dans la route d'Inat, 0,5, capable pour gagner un peu de prix aussi. Il a s'abonné, ça, souvent, là, me semble. Oui, il a s'abonné, oui, mais pour gagner un peu de prix, on va dire, n'oubliez-le, il va dire, n'oubliez-le un peu. Overdose, deuxième.
Ensuite, en troisième position, on met Zenon. Et on met en quatrième place Digital Fortress. Kevin, un outsider ici aussi? Mon répète de Seva, Zenon, et comme outsider, Eagles Vision. Alors, on commence par Eagles Vision. Dernière fois, sinon, nous avons heavy betting au Seva là. Oui. Donc, on a l'ouverture 600, dernier lire avant les courses 280-300. Et nous remarquons, dernière fois, c'est Jamie qui tire là, 61,5 kg. Lola descend, Jamier fait un petit forcing pour mettre lui derrière le menu, vous pensez, une divin mystique. Et là, une droite finale, il paye ses efforts, là, nous trouver 61,5 kg. Et tout le monde sait pas, ça se voit, il finit à faire l'arrivée. C'est dans Global Spectrum et aussi Gone Traveling. Alors, demain, on pensait avec un claim à Michel Batiamland, moins 3 kg, 58,5 seulement. Il y en a ce chance dans les courses. Et aussi, il y en a une form line derrière Million Dollar Man. Sur l'avant-dernière sortie, 8 longueurs, il a batté, mais il n'y a pas qu'à poser attention à 8 longueurs. Là, si nous retirons 1 million de dollars, man, il y a presque 2 longueurs avec James Peter qui est déjà dans les courses. Et aussi, il y a une défense Chosen Way qui fait sur l'entrée, ça se joue là. Et on pensait, Gus Vision, s'il a une bonne une course sur mesure, il risque de gagner un cover, 7ème couloir, il va vous réussir à le défendre de toute façon. Il risque de gagner un cover, il y a une droite finale, il fait l'arrivée. Et Zenon, il y a une formule qui est bien content pour Zenon, c'est. Les courses avec Supreme Rate. Dans les courses, c'est une Horde of Darkness, Quest for Good, si on m'a trompé. Talisman fait 7ème, Horde of Darkness 4ème. Beaucoup de chevals, ils gardent ça les courses pour la semaine prochaine sortie, je ne peux pas me penser. Moukoy, il y a 3 gagnants là-dedans. Et plusieurs chevals qui font l'arrivée. Même la demande, Moukoy, tu fais 8ème ce jour-là pour sa sortie, la demande, il peut former. Et Zenon, il peut pas gagner du tout depuis son début de Koya Maurice. Vous pensez demain avec le travail du joueur 1, les deux, il est capable de remporter un coup de ce joueur. La première place, on met Eagles Vision, Zenon, Secret Circle, qui a aidé les coups d'affiliés, et des fois, il a battu Zantus, et Zantus ne veut pas transformer ces voies-là. Et quatrième place, Overdose. Trois des chevaux dans cette deuxième course Overdose, c'est une PAD 1 kg, plus 2 pour Eagles Vision, moins 9 kg. Pour Secret Circle, moins 4 kg pour Enigma, moins 9 également Into Domestic, Zenon il reste stable à 445 kg, alors que Digital Fortress il perdit 1 kg. Du côté de la cote dans cette course, Overdose est coté à 1000 roupies, 600 roupies pour Eagles Vision, 200 roupies le favori Secret Circle, Enigma Code est coté à 400 roupies, 400 également pour Into Domestic, 270 roupies Zenon, alors que Digital Fortress est coté à 600 roupies. La troisième course de Marcel Lagesse Memorial Cup sur 1850 mètres avec 6 chevaux au départ, Backpacker, Lunification, Cadence Pride, Royal Italian, Charleston Hero et State Royal Santosh. Les deux coursiers de l'écurie Pedro prennent un rôle à jouer dedans. Hein. Les deux, ils étaient un petit peu pas au départ. Qui sera devant? Est-ce qu'ils peuvent laisser Lunification gagner softly, tranquille demain, dirige les courses là, pieds et autres? Bon, tel sera pas le cas. Si jamais ils ont les courses, un train sélectif, un train. Les courses roulées devant, certainement Caden Sprite pour terminer faux, même si il peut venir en 1850 mètres pour la première fois. Au cas contraire, Moukoy, le choix de Federer, vous connaissez 57,5 kg, il ne dit pas qu'à mon stage, il a 54,5 kg, il faisait monter Royal Italian, mais Royal Italian fait des courses raisonnables, des variety factors, continue à improve 1850 mètres dans ses codes, vous pensez, moi, il est pour là, et surtout avec l'apport de Bernard Federer. Mais si les courses roulées, si les courses ont un train sélectif, un train correct, vous pensez qu'Eden Sprite, avec Raman qui connaît très bien, Raman déjà gagné avec Eden Sprite, et qui met un gars bizarre, sur une raison valable, qui fait de mettre Eden Sprite en 1850 mètres. Donc, attention à ce qu'Eden Sprite. Eden Sprite, Royal Italian, Stage World, complète le quartet, Lunification, qui me trouve revigoré un peu ces derniers temps. Patrice? Du coup, ça, oui. Normalement, Stage World, Lunification, Eden Sprite, Royal Italian. Donc, peut-être un petit coup dans les courses, hein, pour avoir une victoire du numéro 5. Charleston Hero. Charleston Hero. Ce dernier les courses. Il termine en 35 secondes 23. Et quand on regarde ses deux dernières meilleures performances, c'était l'année dernière, 13e journée, sur 3e derrière contre le Revoir, 1850 mètres. Et pas très très loin de cela, il est sur 3e derrière Paddington Slug, 1850 mètres encore. L'année dernière. Donc là, deuxième couloir. Peu importe ça qui parle des vents, il peut galoper en deuxième position. Et quand nous faisons notre petit remorque, ce trois dernières sorties, l'entraîneur est dans la route Boutaniv. Cette fois-ci, dans la route Soufoul. Donc, fais bien attention à ce Charleston Hero. Il est très très bien, il retrouve sa forme, hein, ce dernier course, derrière Jetstream.
Il termine très très fort. Donc, il peut venir dans un parcours qui a sa convenance. Il prend un gros danger, ça tire ce niveau-là. Mais là-dedans, aussi, il m'a respecté Stage Well, qui m'a pensé s'il a le devant et s'il est réduit à la course quelque part, il peut être très très dangereux. Et en troisième position, il m'a mis Luna Vacation, qui est un cheval qui nous connaît, il a gagné au 2050 mètres et l'allogement du parcours à sa faveur. Patrice, Luna Vacation, il a gagné sur 2050 mètres. Je rappelle la dernière fois, il était dans les courses 1850 mètres, tu termines la liste avec nous, le 10 de cheval qui gagne au 1850 mètres. Tu connais qui c'est le cheval qui gagne au 1850 ici? Dis-moi. C'est où cheval? Chanson Hero. Merci. Kevin? Alors, on répète des chevals de rallye course, ça, c'est Stage World, Luna Vacation, on pensait tous les défauts aux avant-postes. Et quand nous guettons bien, Stage World, il peut nous vécéval, Luna Vacation aussi. Si je parle de la guerre des vents, définitivement, on finissait au faire l'arrivée Backpacker, Caden Sprite, Royal Italian. Et on pensait que c'était l'intérêt. Luna Vacation, c'était dans l'intérêt pour du SL et course des vents. Alors, et Stage World aussi, 54,5 kg. Et nous remarquons que Stage World, c'est du dual et faux. Tout le monde est aussi gagné, il n'y a pas un short margin. Okay. Quand c'est va à côté, il vous fight back, il vous aller. Et nous, vous pensez, ce dernier les courses, oui, Freedom of Speech. C'est un Ball Phoenix à dents. L'eau d'épaule, il se déstrape bien, il fight pas le devant, mais il prend aussi Ball Phoenix. Il a la 10e ligne également. Oui, 400 mètres, Ball Phoenix, 450, Ball Phoenix, pas pour essayer devant lui, mais 850 mètres. Vous pensez, il prend le devant. Et aussi, nous avons en considération qui l'une des agalopes du 150 mètres Maurice, single batté par Lead de l'Ecurie Cage d'Or. Ça aussi, un shortest margin, 0,15 longueur. Et 54,5 kg du 150 mètres, moins côté, une première chance. Et pour la deuxième place, on va essayer l'Una Vacation. Qui fait l'Una Vacation, il a un stamina, il gagne 2050 mètres. Et pour. J'aurais déçu ça, considérer ce chance vrai même, il m'a pensé, il n'a pas dû essayer les courses devant. Et troisième place, on parle pour Caden Sprite, et quatrième place, complète de tir côté, Backpacker. Pas des chevaux dans cette course, Backpacker, il y a 489 kg, moins 5 kg pour Luna Vacation, plus 6 pour Caden Sprite, moins 5 pour Royal Italian, 500 kg, Charleston Hero est à la balance, alors que Stage Rolf, une PAD, 6 kg du côté de la côte Backpacker, du côté à 1100 roupies, 320 roupies pour Luna Vacation, 300 roupies Caden Sprite, 290 roupies Royal Italian, 1500 roupies Charleston Hero, alors que Stage Rolf, il y a 570 roupies, alors 3 chevaux extrêmement très serrés du côté de la côte ici, 320, 300 et 290. On passe maintenant à la quatrième course de Michelin. Grâce au Souvenir Cup sur 1400 mètres, 8 chevaux, Carlton Heights, Casanova King, Heart of Darkness, Majestic Moon, Master Mariner, Red Rock Canyon, Midnight Oracle, Bell Saposol, Santos, pas une course facile. Pas facile. Mais si Master Mariner gagne tout dans, en sa faveur, il y a tranquille devant, il prend une belle carte à jouer. Si jamais, les courses sont compliquées, si jamais, il y a une lutte à l'avant avec Carlton Heights, Master Mariner, même Heart of Darkness, là, il y a un coursier qui peut finir bien, qui peut bien conclure. Et qui n'a un petit peu et résistance à la fin. Et là, je pense bien sûr à Casanova King. Ouais. Casanova King, c'est un cheval qui me conseille, n'est pas nous juger sa performance au 1850 mètres. Là, c'est un parcours trop long. Nous vînons un coup de sa performance en début d'année, lors de sa reprise, en 0,26 derrière Promissory. Ça jour-là, il finit à une longueur 70 de Promissory. Par la suite, il gagne un bâti avec Gunther Wedding, il finit à deux longueurs 26, 1500 mètres. Et s'il écoute ça, s'il y a lutte à l'avant, mon corps, Casanova King, vous connaissez, il gagne résistance. Hein, surtout en 1850, oui. Il gagne stamina et tout. Septième ligne, il n'y a pas un problème. Il pouvait des derniers. Vous pensez que Casanova King mérite d'être retenu dans les combinaisons. Casanova King, Master Mariner, Carlton Heights, qui a été gêné la dernière fois, il peut verser bien l'intérieur aussi. Il a fait mieux. Il est bien, bien à l'aise dans 0-20 Carlton Heights. Vous pouvez aller dans le CSC pour compléter le quartet. Midnight Oracle avec la première ligne. Peut toujours surprendre et finir dans le quartet. Patrice. Le Mariner, la dernière fois, tu peux dire, attention. Ouais. Malheureusement, il fait troisième. Là, il est revenu. La dernière fois, tu coûtais à 1500 roupies. Ils ont dit coûter à combien 200 200 quelque chose. 250. 250. Et la dernière cheval qui peut rester descendre division même. C'est le numéro 1, Carlton Heights. Disparaît, on pensait qu'il prend une danger dans sa course, là, Carlton Heights. Et seulement, moi, pour faire confiance, moi, à Casanova King. Et. Pensez d'y payer tout le parcours qui puisse à sa convenance, qui nous besoin de nouveau sa dernière sortie là. Et je vais aller très très bien. On met en première position. Derrière lui, on va vous mettre Carlton Heights. En troisième position, Master Mariner. Kevin.
Alors, pour la première place, moi, pour World of Darkness, pareil, il a formé un Supremo Rater. Et ce pourcentage sera utile au 1500 mètres, il a battu seulement 0.20 par Xanthus. Et nous avons dit que moi, Xanthus, il a ce dernier sorti. Presque l'Inga Loop 150 mètres, une droite finale, il bat Bolton Heights et Ultimate Warrior. Oui. Et aussi, nous avons fait ressortir qui compte confrontation de Road of Darkness face à Xanthus. Pour être initial, Road of Darkness il fait un effort parce qu'il y a la pyrote qui force la lueur devant et il allie les courses. Et demain, on pensait avec l'écurie entraîneur Narang, mais Belsa Postal aussi. Parfois, nous ne connaissons pas façon de galoper, parfois il galope devant, parfois il galope à l'arrière, nous ne connaissons pas. Mais si nous retrouvons des chevaux là devant, et peut-être qu'il va l'inviter pour Road of Darkness, mais il fait guère 10 ans, nous pas cave. Aurélien, c'est pas le disant, mais quand même, il y a un fighter. Ou si en cas de défaillance, nous trouvons dans beaucoup pas, comment ça touche, comment je tiens ici. Ou peut-être Casanova King qui a fait l'arrivée, quand nous sommes avant dernière sortie. Dernière sortie, on n'est pas cave prendre en considération, 850 mètres, ni le monde classe. Mais sur avant dernière sortie, derrière Gone Traveling, quand il y a un bon effort au final. Et vous pensez, pour la première place, Road of Darkness, deuxième Casanova King, troisième peut-être Mosta Mariner, tout dépend que type égal le PC Valant. Si il réussit le lead, il cave gagner, mais il est un peu difficile pour lui demain, aussi facile qu'il la dernière sortie. Et quatrième place, peut-être Majestic Moon, il gagne des galeux. Et... ouais. Point des chevaux dans cette quatrième course, 41 Heights, Sven Piaggi, 1 kg low balance, plus 6 pour Casanova King, moins 10 kg pour Heart of Darkness, moins 2 pour Majestic Moon, moins 2 également pour Master Marino, plus 1 pour Red Rock Canyon, plus 4 pour Midnight Oracle, alors que Belsa Postal, Sven Piaggi, 1 kg. Du côté de la cote, 41 Heights est coté à 300 roupies, 430 roupies pour Casanova King, pareil pour Heart of Darkness, 430, 500 roupies Majestic Moon, 250 roupies le favori Master Marino, 2000 roupies Red Rock Canyon, 1200 roupies Midnight Oracle, alors que Belsa Postal est coté à 2000 roupies. La cinquième course, The Breast Cancer Care Cup sur 990 mètres, 7 chevaux, Christmas Bay, Gang Leader, Ninoto, Coup for Youth, Crazy Charlie, Desert Boy et Straight on Touch. Écoutez, si Coup for Youth retrouve sa forme 2021, il y a le devant, il peut donner une très très belle carte à jouer. Ce premier sortie qui peut-être c'est un petit peu toujours rouillé avec l'intersaison et finir comme une longueur de Kendall Cove, qui est un spécialiste de 990 mètres, une longueur 80. Vous pensez, moi, l'eau, sa performance, ça, nous a accordé des bonnes chances. Desert Boy reste sur une victoire, au dépend de Edge of the Sun. Là, il peut venir à 36, mais il démontre de maniabilité. Il n'est pas bizarre devant, il peut suivre aussi, donc il est à retenir. Par contre, c'est un cheval, pas perdu beaucoup de longueur au départ, il prend le départ. Lent, oui, mais il n'est pas perdu 3-4 longueurs, il perd, disons, allez, une longueur et demie ou deux longueurs au départ. Crazy Charlie, pour moi, il peut dominer ça là, facilement, surtout s'il est appliqué au départ. Là, vous trouvez un changement. Au niveau équipement, je mettais un hood, je retire les autres équipements avec lui, je libère lui de ce même équipement-là, avec Soufoul. Vous pensez, moi, que Charlie n'est pas à écarter activement. C'est un cheval à retenir dans toutes les combinaisons. Donc, Coup for You, Crazy Charlie, Desert Boy, complète le chassis. Patrice. Oui. Crazy Charlie est un très, très bon concurrent. Il fait tout pour les couloirs, mais il faut dès lui prendre un bon départ. Souvent, il rate ce départ. C'est le seul problème qu'il y en a. Si jamais il prend un bon départ demain, il prend un adversaire très très coriace. Et dans cette course-là, Coup for Youth, Xanthus est bien dit, s'il retrouve sous forme de l'année dernière, ce sera difficile à battre. Donc on prend lui comme gagnant derrière lui. Crazy Charlie, Desert Boy et Gang Leader. Kevin. Et là donc pour comme gagnant, Gang Leader, quand nous guettons l'affiche, nous pas trop Gang Leader. Comment un cheval pas le 2300 roupies, moi je suis étonné que moi gagne leader la côte de Virtua 300 roupies, mais sur le premier sorti, il fait 4ème de Remus et dernier sorti, 3 longueurs de l'Ikeaïo sur le combat de Kiri. Le départ gagne leader se extra bien. Si tu as assez bon cheval vélo, ça sur l'intérieur, tu as Goji Well, un Captain Garrett aussi, et à un moment donné, Joker d'Arcivin retrouve le Four White et il répond sur cheval. 1000 mètres du moins, on répond au cheval ou Revini. C'est trop tard. C'est trop tard. Alors, première place, mon place Gang Leader. Deuxième position, Ninoto.
gagne 300 pins ligne tout encore 400 pins de la côte. Dernière fois, je termine même la ligne et cette fois-là nous tournons tout une remise dans Bichek Batiamia. Et l'année dernière aussi pareil, un seul fan d'Abichek qui monte lui, gagne battu par Bye Bye Rocket, il fait finish malchanceux. Et tout coup, nous trouvons que quand il y a un claimer, il fait l'arrivée. Une fois aussi, il y a Alvino Roy, l'autre des deux, il a battu pour Godjewel. À cette époque-là, Godjewel, c'est assez redoutable au 290 mètres. Troisième place, on met Koufo Dioub. Et quatrième place, Christmas B. Bon, moi, un peu en doute, mon inclus lui dans les combinaisons, mais Christmas B. Il fait au début Maurice, dernière fois, et nous trouvons, dans 25 ans, il galope juste 4 fois. C'est Doubtful, peut-être il y en a maintenant en une de santé. Et le se rentrer, nous trouver, il termine cette longueur de Trip to the Sky. Et le départ, il se aussi, pas aussi bien qu'il se prime, mais le second best le départ. Ouais, c'était se rentrer après 2 ans. Hein. Après 2 ans, oui. Quasiment 2 ans, il nous trouvait 25 ans, il peut en galop sur 5e sortie demain. Et aussi, Manceval, depuis Tam Debi, cette fille est arrivée, semaine dernière, shortcut, malchanceux. Il a battu. Et quatrième place, on va en Christmas B et Anne Sival nous suivre là à l'avenir. C'est récent. D'accord, pas de chevaux dans cette course. Moins 12 kilos Christmas B, moins 1 gang leader, moins 9 Ninoto, plus 9 pour Kofoliute. Alors que Desert Boy Finn prend 7 kilos, Straight Limpiadi 7 kilos. Du côté de la côte, Christmas Bay du côté à 1600 roupies, 300 Gang Leader, Ninoto 1400, 270 Crude for You, Crazy Charlie côté à 600 roupies, 250 roupies Desert Boy et Straight est côté à 2700 roupies. La 7ème course de Sakili Social Entrepreneurship Cup sur 13 sur 65 mètres. Ça touche ici pas mal de chevaux comme Bold Phoenix, Licarious Spry et Bollinger. C'est une course assez weird. Oui. Moi, je comprends la performance de Spry la dernière fois. Je fais une écrasée comme ça à la ligne droite. Vous expliquez quoi ? Oui. Vous expliquez quoi la performance de Spry ? Parce que je viens de là. La performance de Spry la dernière fois, si vous êtes du Rawan, comme on dit, vous retenez ce bal-là. Jusqu'à 600 mètres, 400 mètres, tu peux encore attendre. Par contre, dans ce bal des courses précédentes, vous êtes ce dernier 600 mètres, il finit en 35, 35. N'oubliez, le soir dans 10 mètres-là, il finit en 34, 36. Mais la dernière fois, il finit en 37. C'est-à-dire entre 600 et 400. Le cheval était. Moi, qu'il y a une galope. Moi, je crois dans le cheval-là. Moi, je pense, moi, pas pour condamner sa dernière chèque-là. C'est un très bon coursier. C'est un galopeur, comme je peux dire. Moi, je pense, moi, s'il y a le devant, pour vous inviter à rattraper, vous êtes battu dur. Moi, respectez Bollinger qui vous mise de ce bon finish. Bollinger, c'est un cheval qui ne retrouve la forme. Il y a un finish étourdissant. C'est un cheval qui, dernière fois, il termine en 34-79. Il termine en 24-34. Avant ça, il termine en 35-33. C'est un cheval qui, quand même, dans les 600 derniers mètres, il vous finit très, très fort. Mais mon pensée, moi, il atteint ce sommet. À suivre, le nouveau de Vicky Rui, Trying Times, qui est un bon coursier de 4 ans. C'est un cheval régulier, hein, sous 4 derniers sorties. Et Vicky Rui et tout l'entourage, il prend beaucoup, beaucoup de patience avec Trying Times. Pour faire expect a good performance from this horse. Et c'est un jeune de 4 ans par Time Thief et Gracian Dancer. C'est un cheval qui, en 10 sorties en Afrique du Sud, il gagne une fois, il place 3 fois. This horse paraît être taillé sur mesure. L'Ikaïou, mon métier dans le quartet, vu sa régularité de ces derniers temps, il paraît qu'il y retrouve la confiance. Patrice, beaucoup de pas dans cette course avec les Bold Phoenix, l'Ikaïou, Spry, même Trying Times, qui est un bon contrôleur en Afrique du Sud, ou analyse de cette 7ème course. Là-dedans, pour moi, Spry est plus rapide que Bold Phoenix. Passe au tiers de là. Maintenant, est-ce qu'il est plus rapide que l'Ikaïou? C'est ça la question. Maintenant, si jamais il sortit vite, nous rappelle ce dernier fois, le 1400 mètres, sa vitesse est sortie là. En deux foulées, il finit. Et overcome ce mauvais couloir, c'était face à Massimo. Donc, s'il répète ça, c'est un joueur qui sortit vite. Il est stallé à l'avant et si Durawan, Leslie Gallo, le premier bisin, arrive au 600 mètres, c'est pareil pour très très difficile à battre. Derrière lui, Bollinger, ensuite Likayo et bien sûr, un petit chance d'outsider à Trying Times. Kevin. Moi, pour l'Ikaïou là-dedans, nous trouvons qu'il travaille une temps en Afrique du Sud, il nous montrait du pas, sur ma dernière sortie. Et si Charles Tilla essaye à force le pas devant, et peut-être ça qu'il vient de finir comme l'Ikaïou, qui peut-être pour la 4ème position, on pense pas, là, s'il va pas force le pas devant face à Spry. Et 2ème place pour Spry, 3ème place Bollinger qui pousse le saut finish.
Côté de la cote, Bull Phoenix est coté à 550, 350 roupies Licario, 330 pour Spry, 1200 roupies Trying Times, 1600 roupies Chapter Inverse, Jace Dancer est coté à 2500, 235 Bollinger, alors que Wild Connected est coté à 1100 roupies. La dernière course de Liverpool Football Club, 130e Anniversary Cup sur 1500 mètres. Santosh, ou choix dans cette course? On parle pas doublé de Beta Dandelres. Coursier là aussi bien que la dernière fois. Premier ligne en son avantage, il vous gagne bon les deux. Puis n'a pas avec Annika Montana, Golden Stone, It Dawn on Me. Il vous gagne bon les deux, il vous là dans le box seat. Il vous fait confiance à son bon finish. Better Than the Rest comme Outsider Inauguration. À la troisième place, Skip the Red. Pour compléter le quartet, Annika Montana. Patrice. Donc moi, on parle pareil, moi, Santos. Doublé de Better Than the Rest et triplé demain de Anthony Andrews. Casanova King, Secret Circle, Better Than the Rest. Par quoi, c'est pour ça qu'il prend il fait l'appel. Et derrière lui, Inauguration, Skip the Red et Annika Montana, pareil. Kevin. Pour la première place, moi, pour Annika Montana. Et tout coup, quand nous guettons, quand l'entraîneur Chris Narang fait appel à Alvin Roy, c'est valable dans les combinaisons. Volata Energy, Rod of Darkness et Into the Mystic aussi. Alors, moi, je pensais que la clé, la course pour l'élite, les courses, je pensais Golden Star et Annika Montana pour les avant-postes. Deuxième place, Better Than the Rest. Du Falling Game batté pour Million de Dorman, au sur rentrée, deuxième. Et dernier Falling batté, c'est un port de crime pour de longueur 60. En troisième place, moi pour Inauguration, une bonne écoute rentrée d'ici, dernière fois. Et quatrième place qui peut être avec remise à M. Bassin. Est-ce que c'est un cote Je souligne qu'on est comme un peu retiré sur Blinkers. Oui, sans les Blinkers, on est quand même. La première fois, hein. Du côté de la côte, Golden Star est coté à 1300 roupies, 800 roupies pour Inauguration, 340 Skip the Red, 700 roupies Annika Montana, 800 roupies Dawn on Me, Better Than the Rest est coté à 175 roupies, 1600 roupies Saint Path, alors que Red Busted est coté à 2000 roupies. Messieurs, nous finissons le tour de cette 14e journée, mon groupe de Wenzel Zidban. Meilleure chance, un touch à commencer avec vous. The Top Wins, Secret Circle et Better Than the Rest, 2 Value Bet, Casanova King et Arnhem Land. Patrice. Pareil comme Top Wins. Secret Circle, Better Than the Rest. Value Bet, Casanova King Spry, qui fait un prix assez raisonnable. Et comme Outsider, Charleston Hero. Kevin, ou meilleure chance, si tu as tout, ou Outsider. Meilleure chance, Call of My Fate. Le papier paraît un vainqueur de la journée. Et deux Outsiders qui m'ont tiré, c'est Annika Montana. Et dans la deuxième course, Eagles Vision. Attends, je suis un peu de la fin avec l'invité peut-être. Mais rapidement, mon collègue, tu as fait certains NPS Accumulator. Elle nous pas manque ça. Ah oui, allez, la deuxième course. La deuxième course, moi, pour Secret Circle. La troisième. La troisième, Caden Sprite. La quatrième. Casanova King. Cinquième course. La cinquième course, Crazy Charlie. La sixième course. Emerald Ben. Septième. La septième course, Noël pour Bollinger. Et finalement, la dernière. Better Than the Rest. Le mot de la fin. Le mot de la fin, donc, mon remercier, Kevin Locori. Surtout bonne chance dans l'étude. Et nous souhaitons nous gagner un bon vétérinaire à l'avenir. Surtout plein de succès, ou paraître déterminé, ou paraître motivé. Ça a été un plaisir d'accueillir sur le plateau, représente la jeune génération. Et ça fait plaisir de trouver un jeune intéressé avec les courses, ou analyse très très bien mon cardio. Hein, mon bien bien apprécié ou analyse. Et keep it up, surtout dans l'étude. Et certainement, vous voulez être professionnel dans les années à venir. Et nous retrouvons le plateau, Kevin. All the best. Continuez à faire bons enfants. Manzali. Et à très bientôt. Patrice, merci, merci Shail, merci à l'équipe technique, merci aux frères de Kevin aussi qui m'a fait ce soutien, Jason, hein, à l'émission, donc à la famille Olcori qui est certainement nombreux pour guetter l'émission ce soir, bonsoir à tous, et donc merci à Kevin, merci à Narchad aussi, et donc à très bientôt pour la semaine prochaine, ce sera la 15e journée avec week-end des courses, le préféré de Patrice. Merci monsieur, bonne soirée.